Le Centre Urbain Beauté de Saint-Jérôme est fier de vous présenter cette édition d'En Primeur. Le Cube, votre nouvelle dimension beauté. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule En Primeur. Cette semaine, je vous parle du nouveau film Activité paranormale, l'empreinte du démon. Activité paranormale, l'empreinte du démon est la toute première réalisation de Christopher Landon, qui a par contre participé en tant que scénariste aux trois derniers chapitres de cette série. Je ne suis pas fanatique des films de ce genre, alors il est un peu difficile pour moi de vous en faire une bonne critique. J'ai trouvé que l'action tardait un peu à arriver, mais le scénario était construit intelligemment. C'est un peu dans la même continuité que les films précédents, toujours à vous faire sursauter avec des bruits sourds dans des moments de long silence. J'ai trouvé les effets spéciaux et les maquillages très bien réussis. Si vous êtes fan de films de suspense, je vous le conseille, vous serez sûrement ravis. D'ailleurs, il prépare une suite qui devrait sortir également en 2014. Merci beaucoup et bon cinéma. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. N'hésitez pas à commenter sur notre page Facebook du Cinéma Carrefour du Nord et de nous donner vos impressions sur les nouveaux films. La semaine prochaine, nous regarderons pour vous Le Seul Survivant et Elle. Merci beaucoup. Bonne semaine.